Et t'as vu le match hier soir? Ah oui, Syrie contre Iran, c'était vraiment bien. Mais le football là-bas, c'est le maximum qu'ils peuvent faire, la situation. Ouais, c'est vrai. Vous restez prêts, vous, on a eu de la chance, on est parti tôt. En 3 ans, on a eu le temps de perfectionner notre français. Mais vraiment, cet esprit, là, depuis les ans, c'est une différence. Je dois t'avouer que j'ai étudié cette langue au collège aussi. Mais tu as toujours été accepté dans le sein des saints de la capitale. C'est grâce à mon dossier scolaire excellent. J'ai pu faire bonne impression devant le directeur. Thiago, le directeur vous commande dans son bureau. Ne le faites pas attendre. Monsieur. Entrez. Vous m'avez fait demander, monsieur le directeur. Asseyez-vous. L'heure est grave. Thiago, monsieur le directeur. L'entretien est bien long. C'est mauvais signe. Peut-être recueille-t-il des louanges pour ses mérites académiques. Des louanges? Mais je suis la meilleure dans toutes les disciplines. Je pense qu'il apprend son expulsion. Comment? Son expulsion? Il est probablement en situation irrégulière. Ce ne serait que justice. Mais nous devons l'aider, c'est notre devoir. Oui, il nous faut plaider sa cause. Envoyons un émissaire. Mais qui? Pourquoi pas Brian? Il est loquace comme ses compatriotes du Congo. Il a pas labré leur miel. Loquace, je le suis. Mais je suis aussi français que toi. Et si je suis doué d'éloquence, ce n'est pas le résultat de mon ascendance. Et si tu es greffin, ce n'est pas le résultat du métissage de ta bouche. Tu m'insultes? Ce n'est du miel, mais du fiel qui sort de sa bouche. Si je n'étais pas lié de me souiller, je t'aurais donné une bonne correction. Je te mesure un garçon. C'est cette querelle. C'est mon querelle. Non, elle l'a frappé? Oui, j'espère qu'il retiendra la leçon. Quelle leçon? Elle a perdu la raison? La leçon qui nous enseigne que les hommes ne doivent pas sous-estimer les femmes. Et la leçon sur les propos racistes, elle n'avait pas retenu, elle. Un peu de silence, s'il vous plaît. Commençons la lecture de l'île de l'extrême. Au milieu d'un océan inconnu qu'aucune carte n'indiquait, se trouvait l'île de l'extrême. Une île parfaitement organisée, moyennant une séparation de la population en deux catégories. Parmi ses habitants, certains s'appelaient les visibles et les effacés. Un vendredi, 6 individus sont convoqués. Asseyez-vous. Écrivez notre belle devise, les hommes, c'est demeurer,
naissent bien dans l'égalité, mais ne sauraient s'y demeurer. C'est ainsi que l'histoire s'achève. C'est atroce. C'est de l'injustice. Cela ne vous fait-il pas penser à notre pauvre camarade Thiago? C'est vrai qu'il est toujours chez le directeur, c'est de plus en plus inquiétant. Effectivement, je vais aller me renseigner. Cette fois c'est sûr, il va se faire expulser. Mais pourquoi? Il est pauvre. Je suis outré. Il ne mérite pas d'être ici de toute façon. C'est parce qu'il est étranger. Il est indigne. Il est de quelle origine même? C'est quoi ce silence tout à vous? Alors? Alors? Bah, le directeur, que t'a-t-il dit? Rien, je voulais simplement un renseignement. Un renseignement? L'adresse de mon coiffeur, voyons. Skip les gauchers, c'est la main du diable. Entre garde et crée, y a une tension palpable. Il est immigré, une galère de Syriens. Des petits problèmes à côté syrien. On veut pas de racisme comme Martin Luther. Contre tous les fléaux, on va lutter. S-O-I-S-K, on dit que la vérité. Tout le monde reste égal, ça reste à vérifier. À l'égalité, on est tous initiés. On est tous les mêmes, on peut tous s'unifier.